besoin d'aide. J'ai pas été assez clair. T'es pas la bienvenue ici, Jane. Vous allez fouiller toute cette vallée. Jusqu'à ce que ce chien galeux sorte de sa cachette. Si Bishop veut ta peau, c'est pas un tueur qu'il te faut. C'est tout un régiment. Tu ferais bien de rentrer chez toi pour voir ça avec ton mari. Il est mal en point. Il vaut pas le coup de risquer ta vie, Jane. Ma vie, je décide seule de ce qu'elle vaut. Toi, t'as plus rien à dire là-dessus. Mais de combien d'hommes on parle? Ils étaient une bonne dizaine à l'époque. Moins toi. T'es pas obligé de revenir. Emmène Cathy, protège-la. J'ai fui depuis trop longtemps. Il faut en finir une fois pour toutes. J'espère que Bishop recrute que des gros. C'est vraiment odieux. Peut-être, mais je risque ma vie pour toi et ton salaud de mari. Tu sais rien de lui, tu devrais pas dire ça. Si, je sais que c'est un criminel. Il vaut $2000. Je suis prêt à doubler cette somme si vous réussissez à ramener Hammond d'ici. C'est sûr que t'es bien parti pour le grand saut, mon ami. Je te tuerai. Ça vous fait assez de dynamite et de munitions pour recommencer une guerre? Je voudrais bien entendre ton histoire. Il te plaira pas, mon histoire. Je suis peut-être un criminel, mais je ne tuerai pas une enfant, Jane. Espèce d'ordure, dis-moi où elle est! C'est malheureux, mais si je te le dis, qu'est-ce qui me reste à moi? Dis-moi, où est ma fille?